Alors maintenant, le retour de quelqu'un que vous avez vu souvent à mes côtés et nous sommes très très heureux, c'est au Théâtre du Rond-Point. Il fait un carton, il est là pour un mois, ensuite sera au Théâtre de l'Œuvre. Voici notre ami Mathieu Madénian. Mathieu. Et il faut dire que vous avez une complicité avec Annie. Oui, il m'a demandé un jour si je voulais faire des conneries avec lui. J'ai dit oui tout de suite, dès qu'il s'est mis à une connerie. Moi, alors... Des conneries à la télé. Hein. Ouais, elle a accepté de jouer dans ma petite série. Ouais. Elle a joué ma mère et c'était un plaisir. Ouais, ouais. Avec VDB avec... Ouais, ouais, on faisait ah bah ça. Là, sur... regarde. Voilà. Ouais, ouais. C'était sur W9. Oh, en plus, on dirait vraiment ma mère. Je parle de VDB, mais... Hey, c'est sympa d'avoir Annie comme maman de cinéma, quand même. En plus, non, alors, elle joue super bien. Bah oui. On s'est drôle. Vraiment marré et humainement... Enfin, moi, je commençais et... Non, mais c'était génial. C'est Mathieu, je suis heureux de vous retrouver sur ce canapé que vous connaissez si bien. Alors, le Rond-Point, avec votre complice Kader Aoun, c'est un énorme succès, vous êtes là pour un mois. Est-ce que vous parlez de votre famille, de vos parents, que j'ai bien connus? Parce que moi, j'ai une relation particulière avec votre maman. Alors ça, faudra en parler. Oui. Quand votre maman a un petit problème de santé, c'est moi qui l'appelle. C'est vrai. Oui, elle a eu un problème à l'œil. Et c'est moi qui l'ai appelé. Et vous avez répondu. Oui. Et vous avez dit, qui êtes-vous? Ouais. Non, c'est vrai, elle vous a appelé. Non, ça, on s'appelle, mais on vous le dit pas. Ouais, exact. Hein, papa. Ouais. Et Ah, comment vont-ils? Ils vieillissent, mais bien, ça va. Oui. Ça va. J'avais mes parents et j'ai un père, il a dépassé 70 ans. Donc, il commence à avoir cet âge-là où non seulement il se parle tout seul, mais il se répond tout seul. Et, tu vois, ça, il fait quel temps? Il fait beau, je vais mettre un pull. À qui tu parles? Et je sais pas, tu sais, il s'endort n'importe où avec cette tête, on dirait qu'il va mourir. Tu vois, il est comme ça et d'un coup. Et je suis à côté, je dis papa, tu dors? Il fait je dors pas. Si tu dors, je dors pas. Papa, laisse-moi le volant. Mais. ils sont. 50 ans de mariage maintenant. Combien? 50 ans de mariage. Et j'en parle sur scène, ils se sont rencontrés. La rencontre est sympa. Ma mère faisait ses études de droit à Aix-en-Provence et elle courait parce qu'elle avait ses examens. Et mon père l'a bousculée sans faire exprès. Elle a fait tomber ses livres. Mon père l'a aidé à la ramasser. Elle a regardé mon père, ils se sont regardés. Il y a eu un coup de foudre. Ils ont eu des papillons dans le ventre. Et depuis 50 ans, ils ont toujours ces mêmes papillons. Magnifique. C'est pas vrai du tout. C'est des conneries. Vous voulez que je vous raconte la vraie? Je fais mon père qui fait avec ta mère, on s'est rencontrés en discothèque, 17h, elle dansait, j'étais au bar. Pendant 2 heures, j'ai fixé qu'elle est sortie de la discothèque, je suis en voiture pour savoir où elle habitait. Voilà, je dis, j'avais vu ça dans Faites entrer l'accusé, mais j'arrivais pas à mettre un nom sur le tueur de la discothèque. Et, mais là tu sais, ils font partie de cette génération, peut-être la vôtre, où l'homme restait avec sa femme parce qu'il savait pas servir de la machine à laver. C'est vrai. Combien de fois j'ai lu dans les yeux de mon père? Combien de fois j'ai lu dans les yeux de mon père? J'ai envie de me casser de la baraque, mais j'ai aucun slip propre. Combien de fois? Et nos mères, elles restaient avec nos pères parce qu'elles avaient besoin de cette machine à laver. Mais maintenant, elles peuvent se payer cette machine à laver, mais elles restent quand même. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles veulent se venger. Elles en ont tellement chié que maintenant elles se disent. Moi, je vois mes parents, hein, comment ils fonctionnent. On dirait deux chats qui vivent dans la même pièce. Mais le chat, mon père avant c'était un chat sauvage, il partait le matin et rentrait le soir. Là le chat il a vieilli, il boite et tout. Dès qu'il s'approche de ma mère, pour vous dire, le seul truc qui fait rire ma mère, c'est quand mon père il tombe. Sur scène il paraît que vous dites qu'il préfère votre sœur. Ah ouais, oui, parce qu'ils me l'ont dit. Ben c'est quand tu vas chez toi et qu'il y a plus de photos du chien que de toi, c'est que c'est pas toi le préféré. Et j'en ai... Non, mais tu sais, dans toute famille, t'as un préféré. Moi, je suis l'aîné, c'est ma sœur la préférée. Ça se voit tout de suite. Et j'ai demandé à ma mère, parce que j'écris le spectacle en ce moment, je lui dis, vas-y, dis-moi qui tu préfères. Au téléphone, elle me fait, ah, je vous aime pareil, mais pas pareil. Je suis, non, mais imagine, on est sur le Titanic. Je lui dis, on est sur le Titanic. Il coule. Qui tu sois? Elle fait, ta sœur. J'ai bien... Et je lui dis, et moi? Elle me fait, mais toi, tu sais nager. Je fais, quoi? L'eau est à 2 degrés. Est-ce que votre papa est fier de vous, quand même? Mon père, il est fier de moi. En fait, je crois qu'il vit
sa passion à travers moi. Il fait partie de ses parents. Il aurait aimé faire de la scène. Ah oui. Il me suit sur les tournées. Un transfert, quoi. Il fait un transfert. Il m'attend dans les loges. Quand je sors de spectacle, je rentre dans la loge, il me fait « On a été bon. Tu as mangé des cacahuètes, toi, de quoi tu parles ?» Mais il est... Oui, il est fier, je pense. Il aime bien ce côté... Il aime bien être VIP. D'ailleurs, vous l'avez vu, quand il vient aux émissions, il se met devant. Oui. Même au feu d'artifice, il veut être VIP. Oui. C'est dans l'air, à part t'accrocher à la fusée. Comment tu veux être VIP au truc? Et il est surtout fan, je pense, d'Aznavour, en fait. Ça, c'était... quand Aznavour est mort, mon père m'a dit « Maintenant, c'est toi la relève. » Et je connais un seul mot en arménien, c'est Kardashian. Qu'est-ce que tu me racontes avec ça? Mais je suis passé numéro 2 arménien après Aznavour. Alors Mathieu Madénian, spectacle familial, texte de Mathieu et de son complice Kader Aoud, mise en scène Kader Aoud, ça c'est ton rond-point. Ensuite il y aura le théâtre de l'œuvre. Ouais, parce qu'on prolonge, parce que c'est quasi complet. Spectacle familial. Donc je résume, 43 ans, célibataire sans enfant. Faut pas trop tarder Mathieu là. Ok. On va s'y mettre. Non, mais oui, c'est maintenant, ça va jouer dans les 5 ans. Pas dans les 5 ans. Sinon, pas, soit je ne vais pas être papa à 70 ans. Je ne vais pas avoir mon gosse comme ça et ma femme qui arrive. Qui c'est qui a fait caca? C'est moi. Ça va, je ne vais pas. T'imagines, dès que je vais m'endormir, mon fils, papa, je ne suis pas mort, je fais la sieste. Ça va, calme ou pas? Mathieu Madénian est sur scène. Au rond-point, pas loin d'ici. Ouais, c'est à côté, c'est juste là. Ben, je me trouve en pleine forme. Ah, puis chose, on va vous voir bientôt sur France 2, deuxième partie de soirée. Génération Paname, dans le cabaret, si j'ose dire. C'est un comédie club. Le comédie club de Kader Aoud. Exactement. Vous avez présenté... Je suis présentateur sur France 2 maintenant. Oui, une nouvelle génération. C'est ça, je suis un vieux qui présente les jeunes humoristes. C'est un comédie club où on fait du stand-up. C'est dans ce lieu-là, c'est un... Moi, je travaille, mes trois spectacles, je les ai travaillés ici. Quand tu as joué là-bas, tu peux jouer n'importe où. J'ai joué, c'est grâce à... J'ai pu faire des chroniques ici pendant 4-5 ans. J'ai joué dans des prisons, j'ai fait des sketchs sur Faites entrer l'accusé, dans des prisons. J'avais les mecs de mes sketchs en face de moi. J'ai joué dans des arènes, j'ai joué partout grâce à ce comédie club. Donc, il y a à peu près 150 à 200 comédiens qui passent chaque semaine pour s'exercer. Ça sera bientôt sur France de Génération Paname.